Tout est prêt, mon commandant. Allez, dépêchez-vous. Foutons le camp. Descendez, dépêchez-vous, oui. Allez, par ici la liberté. Hé, hey, les prisonniers, descendez de ce camion. Dépêchez-vous, les gars.
Tout a marché. Opération réussie, mon pote. Mon commandant. Bravo les gars, on a réussi. Vous êtes prêts pour le départ? Direction la Thaïlande. Tất cả sẵn sàng, trạm kiểm soát. Ê, cậu mày dùng chiếc xe thôi, cậu mày dùng xe thôi. Quách Duy, bước về xe đi. Các đồng chí, cho qua đi. Qua đi. Đi. Qua đi. Nhanh. Deux prisonniers viennent de disparaître. Deux camions volés. Une jeep en morceaux. 25 soldats abattus. Ce fameux commandant paraît très efficace. Mais je ne suis pas convaincu. Je suis persuadé que ses talents viennent de votre incapacité à le retrouver et à l'éliminer, une fois pour toutes. Nos bases ici au Cambodge, ainsi que d'autres au Laos, ont mis un plan au point pour détruire le commandant et son groupe de terroristes. Nous aurons bientôt localisé sa base précisément. Et pendant ce temps-là, lui et ses hommes font sauter nos convois, détruisent les ponts, libèrent nos prisonniers et tuent nos soldats. Écoutez, colonel Chen Tai, mon gouvernement ne vous a pas fait parvenir le meilleur équipement juste pour le voir détruire par un mercenaire américain et ses bandits. Je vous signale que j'ai déjà ordonné à mes hommes d'intensifier les efforts pour localiser sa base. Nous savons déjà qu'elle doit se trouver quelque part dans ce coin-là, et tout près de notre frontière. Et très bientôt, mes soldats l'élimineront. Je souhaite pour vous que ce soit la vérité. Il est temps maintenant d'envoyer nos rapports à nos supérieurs pour les informer de la situation ici à Ha Long Camp. Mais je suis un ami pour vous. Sergent Rakowski, amenez-nous Yang Yang. Très bien, je vais le chercher. Avez-vous remarqué que le commandant semble toujours être au bon endroit au bon moment? Quelqu'un d'ici lui communique ces informations. Je ne suis absolument pas d'accord. Le lieutenant Yang Yang n'est pas ce que l'on appelle un bon communiste. Nous pensons que c'est un agent sud-vietnamien infiltré dans votre armée. Et nous sommes persuadés qu'il sait où le commandant se trouve. N'est-ce pas, Yang? Est-ce que vous avez des preuves? Des soupçons, seulement des soupçons. Mais nous allons avoir une petite discussion en privé, et il me dira ce que j'ai envie de savoir. Et quand il aura avoué, j'irai personnellement capturer le commandant. Thank you.
Tu es de retour au village juste à temps pour la célébration. Le vieux Dagrin t'envoie ses vœux. Tu as pu le libérer? Ainsi que son peuple. Où sont-ils? Dans un camp pour l'instant. On ne pouvait pas les amener ici. Je sais apprécier tout ce que tu fais pour aider à sauver notre peuple. Ici en Thaïlande, ils commenceront une nouvelle vie, comme nous, loin de notre pays natal, le Vietnam. Ici au moins, ils sont libres. Cholin t'attend dans la hutte. Je vous rejoins dans un instant. Quand ces cauchemars ont-ils recommencé? Lorsque tu nous as quittés, elle pense qu'elle est encore au village où les Viet ont brûlé vifs mes petits frères. Johnny. Attends. Est-ce que tu le sens? Il bouge déjà. Pauline, qu'est-ce qu'il y a? Depuis quelques jours, il y a quelqu'un qui essaie de te contacter par radio. Quelqu'un à Bangkok et je ne comprends rien à ce qu'il dit. Deux mots reviennent, Cherokee et Delaware. Cherokee était l'indicatif de mon commandant au Vietnam. Il s'appelait Patterson. Mais il est rentré au pays après la guerre. Je me demande bien pourquoi il est revenu ici. Je ne sais pas, mais je t'en prie, ne me quitte plus. Je ne le supporte pas. Que se passe-t-il, ma petite fille, aujourd'hui? Tu devrais être heureuse, ma belle. Bientôt, il y aura une célébration. Et tu as de la chance que ton mari soit déjà rentré. Tu devrais t'estimer heureuse. Tu dois apprendre à être patiente et à trouver la paix de ton esprit. Sache que chaque chose vient en son temps. Même le bonheur. Regarde-moi. Moi, je suis heureux aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé de nombreuses racines pour mon sommeil. Je t'envie. Tu sembles toujours si heureux. Je n'aurais pas dû employer ce mot. Tranquille. Ici et ici. Tout le monde dit que je suis sage parce que je connais les herbes et leurs secrets qui apaisent l'esprit ou qui simulent la mort. Tu es un sage, tu ne crois pas? Quand mon corps ainsi que mon esprit seront habitués à un total détachement, alors je pourrai te répondre. Un de ces jours, j'aimerais essayer une de tes pilules. Je t'apprendrai à choisir celle dont tu as besoin. Mais tu devras faire attention. Une erreur pourrait bien être fatale. Cherokee appelle Delaware. Cherokee appelle Delaware. Me recevez-vous, Delaware? Cherokee appelle Delaware. Cherokee appelle Delaware. Répondez. Delaware à Cherokee. Je vous reçois. Parlez. Ça fait une éternité, n'est-ce pas, mon garçon? J'ai besoin de te rencontrer le plus vite possible. C'est très important. À vous. J'ai du mal à croire que vous soyez ici après tout ce temps. Quel bon vent vous ramène. Parlez. Je préfère te l'expliquer de mes voix. J'ai besoin d'une faveur. Est-ce que tu peux venir au camp Baker? Le plus tôt serait le mieux. À vous. J'ai aussi besoin d'une faveur. Je serai à Baker demain matin. Terminé. Je t'attendrai. Terminé. Tu te souviens de ta promesse?
Notre enfant doit naître en Amérique. Jolene, je te promets qu'il naîtra là-bas. Mais même l'Amérique n'est pas le paradis. Mais d'où je viens, c'est pire que l'enfer. Dans ce pays non plus, on ne veut pas de nous. Ils ne peuvent pas se permettre de nourrir des bouches supplémentaires. Voici votre compatriote. Vous l'avez drôlement esquinté. Avez-vous au moins réussi à en tirer quelque chose? Certainement. J'ai mon renseignement. Laissez-le à mes hommes, et puisque c'est un traître, il sera fusillé sur le champ. Je vous le confie. Il est mort. Faites-le disparaître. Mais il a eu le temps de parler. Maintenant, je sais que c'est dans un village en Thaïlande que les Américains et les rebelles vivent. Je vais aller là-bas et tuer le commandant. Mais il n'est pas nécessaire que vous traversiez la frontière. Si on a de la chance, mes hommes sauront localiser son quartier général d'ici peu. Dans quelques heures, il sera mort. Cet hélico est fatigué. Il nous en faut un autre. Il est juste bon à foutre à la casse et nous à la retraite, ou rien. La personne devrait pouvoir nous aider. C'est notre dernière mission. Nous avons de la compagnie. Je m'occupe d'eux. Attention, on a de la visite. Quelqu'un derrière les arbres. Je vais aller voir qui c'est. T'inquiète pas, je m'en occupe. Tu sais ce que tu dois faire. Tu agis comme d'habitude, comme si tout était normal, ok? Compris. Thank you.
Mais il est pas bien, mais où il se prend? Il faut l'en empêcher. Mais vous n'avez pas le droit de vous poser ici. Allez, vous en vous n'avez pas le droit d'atterrir. C'est la bombe. C'est le gouvernement américain. Il faut un permis spécial pour atterrir ici. Ôtez-vous de mon chemin. Où est votre truc d'identité? Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai une invitation spéciale. Lâchez-moi les vases. Non, mais il vous faut un permis pour pénétrer et dans ces bureaux. Pour qui est-ce que tu te prends? Vous savez, Craig, je n'ai jamais pu vous saquer. Ça ne me dérange pas, Major. Ça a toujours été réciproque. Rappelez votre chien de garde au pied. Quoi? Craig, il faudrait vous couper les cheveux, mon garçon. Montez. Rompez. La baie de Kangpong Son Kampuchea. Nos satellites ont suivi le navire Ivan Rodinsky en provenance de Vladivostok jusqu'à ce point. Mais ce navire ne transporte pas l'équipement agricole déclaré sur le manifeste. Si les soviétiques sont capables de monter l'équipement électronique qui se trouve en fait à bord du Ivan Rodinsky à leur base de Phnom Penh, eh bien, nous allons avoir de très sérieux problèmes. Donc, vous me demandez de faire un sabotage, c'est bien ça? Dans cette baie, il est impossible de faire quoi que ce soit. Pas du sabotage, du vol. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que vous êtes là. Les soviétiques sont beaucoup plus en avance que nous pour ce genre d'équipement. Et nous aimerions savoir comment il fonctionne. Si vous acceptez ce travail, vous livrerez la marchandise dans un endroit précis. Mon colonel, je veux repartir aux États-Unis. Et je ne suis pas seul. J'ai besoin de 2 passeports, de l'argent et des billets d'avion. Vous aurez ce que vous demandez. Alors j'accepte. Vérifiez vos montres. Vous attendez 1 heure et vous mettez notre plan à exécution. Маршал Питц, свободным.
Yachno. Yachno. Billy. Настроил второй канал? Да, мы готовы. А в первом отключили? Отключили, хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Maintenant, c'est l'heure. Allons-y. Минуточку. Ты что? Капитан, Одинцов и Серегин оба мертвыми в радиорубке. Кто-то их застрелил. Кто-то подрывник радиорубки. Невозможно выйти на связь. Бежим со мной! Боже мой, как же они поспели? Смотрите, второй кабель. Вперед! Стреляй! Ты здесь убитый. Уже поздно. Украли ящики. Веревка! Опоздали! Quand est-ce que tu retournes aux États-Unis? Bientôt. J'ai encore quelques détails importants à régler avant de partir. Mon vieux, tu vas me manquer. Voici.
J'espère qu'un de ces jours, on te fera la surprise de venir te voir là-bas. Ça me ferait plaisir. Mais on reviendra bien un jour. N'oubliez pas que je suis des vôtres. Quelle poisse! Comment ils ont pu nous retrouver? Non, non, trop tard pour ça. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Venez avec moi. Et venez, les gars! Σίγουρα, τον παρακεί. Ιδιόμ να μόσ, Πάουκιν, ιδιόμ να μόσ. Ζα κοντζεύει ο πρίον. T'inquiète pas. Dans deux jours, tu te sentiras beaucoup mieux. Tu lui donneras un cachet matin et soir. Maintenant, je dois aller à la célébration. Des soldats. Des soldats. Des soldats. Allez vous cacher, sauvez-vous. Ah ah.
monde à l'abri, à l'abri. Partez, dispersez-vous, courez sous les arbres, pas de panique. Abritez-vous dans le bois. Proviene.
n'est jamais en sécurité dans ce pays. Surveille son côté. Allô, allô, répondez, s'il vous plaît. Tango appelle la base, répondez. Tango appelle la base, répondez, s'il vous plaît. Je vous laisse Buffalo et Warrior, ils connaissent bien le coin, vous devriez avoir assez de temps. Nous finirons ce travail aussi vite que possible. Qu'allez-vous faire de l'équipement ? J'attends les ordres. Soit nous le détruisons sur place, soit un sous-marin viendra le récupérer. Au cas où nous aurions quelques petits problèmes, est-ce qu'il y a un endroit dans le coin où nous pourrions planquer le matériel ? Derrière cette chute-là, il y a une grotte naturelle, ça sera parfait. Mais attendez, quand est-ce que j'aurai ce que j'ai demandé ? Je tiens mes promesses. Dans 2 jours, vous recevrez un paquet, billets d'avion, argent et passeport. Alors, vous êtes décidé à rentrer. Cette guerre a été plus longue pour vous qu'elle ne l'a été pour nous. C'est exact. Si c'est une revanche que vous cherchiez, vous avez bien renvoyé la balle au Charlie. Nous étions 12, Edwin Lowe. Il ne reste plus que Montfield et moi-même. Mêlés dans une chaise roulante. Je ne crois pas que j'aurai le courage de le regarder en face. Ils étaient nombreux. Ils ont tué tout le monde et après ils ont cherché quelque chose. Jolene. Elle est vivante. Ils l'ont emmenée. Je les ai vus. Tu dois aller la chercher, fils. Chut, chut. Tu ne dois pas te fatiguer. Je sais ce qu'ils voulaient. Tu dois la sauver. Elle n'a plus que toi. Chopin. Bị mất, đang bay trên tôi. Rồi chờ nó đi. Chờ sao? Đồng chí chuẩn bị. Delaware, Chiroki, Delaware, Chiroki, répond.
Reçu, 5 sur 5. Ce sera fait, terminé. Tiens. Ça y est, les gars. J'ai eu le QG. Ils veulent qu'on fasse sauter tout ça. On sera bientôt prêt, mon colonel. Parfait. Tout le monde à couvert. On est tous à l'abri? Oui, vous pouvez y aller. Attention! Là, quelqu'un. Qu'est-ce que vous foutez? Ça ne va pas? Arrêtez immédiatement! Les soldats russes ont détruit mon village et pris Choline en otage. Tout ça à cause de votre sale équipement. Maintenant, si je ne leur ramène pas, ils vont la tuer. Il me faut cet équipement. Impossible, j'ai reçu l'ordre de le détruire le plus vite possible. Si je désobéis, c'est la cour martiale pour moi. Je sais. Comment pouvez-vous oser me demander ça? Je regrette. Vous me l'aviez demandé à Nuenlo. Vous ne vous souvenez pas, mon colonel? Maintenant, c'est mon tour. Très bien. Sur leur territoire, on doit faire très attention. Ouais, on a eu de la chance jusqu'à là. Il y a un méandre un peu plus loin. Si quelqu'un nous a repérés, il nous attendra là. On pourrait éviter les problèmes si on passait par la jungle. Non, ce serait trop long. Je préfère que vous repartiez. Je peux me débrouiller seul. Ça n'en regarde que moi de toute manière. Pas question, mon vieux. Ils ont enlevé ta femme. Mais c'est notre peuple qui a été tué dans ce village. Nous allons avec toi. Thank you.
Có người lên! Có người lên! Đó, có súng nữa! Đấy là từ bờ sông! Từ bờ sông, nó từ bờ sông tiến lên! Các đồng chí! Tiến lên! Stop! Ne bougez plus, jetez votre arme! Je suppose que vous êtes Johnny Craig, commandant. Quelle joie, je vous rencontre enfin. Où se trouve l'équipement que vous avez volé sur notre bateau? Je veux ma femme d'abord. Comment osez-vous, sale blanc-bec? Il a raison. Est-ce que vous l'emmenez? Où est notre équipement? Pas très loin d'ici. Il y a une rizière en descendant le fleuve. Amenez ma femme là-bas. Et surtout, venez tout seul. Nous ferons l'échange là-bas. Votre marché me convient. Il est là derrière. Ne bougez pas tant que je n'aurai pas atteint la Jeep. Thank you.
ne bouge plus. De lui en vie. Il va exploser. Je vais t'arracher les yeux. Ne le laissez pas s'échapper. J'ai crevé, Charles. Je vais crever à fond le sang. Je vais te buter. T'entends, j'ai crevé la porte. Qu'est-ce que tu dis maintenant, l'Américain? Vérifie les boîtes. Elles sont vides. Emmenez-le. Je te promets que tu vas me le payer. C'était juste pour te rafraîchir la mémoire, mon ami. Où se trouve l'équipement? Tu n'as pas encore envie de parler? Je suis un soldat. Et je n'aime pas user de violence comme celle-ci avec un autre soldat, puisque tu prétends en être un. Mais tu n'en es pas un. Toi, tu n'es qu'un sale terroriste, travaillant pour le gouvernement américain. Tu ne cherches qu'à détruire ce peuple, à anéantir son futur. Mais les Américains ont perdu, tu as perdu. Tu comprends ça? Où est caché l'équipement que tu as volé? Tant pis pour toi, l'Américain. Comme tu veux. Où as-tu caché l'équipement que tu as volé? Tu vas parler, sale terroriste, ou je peux te jurer que tu ne quitteras pas ce camp vivant. Maintenant, dépêche-toi de me dire où se trouve le matériel que tu as volé. Parle, sale Américain. Maniez-vous de m'abattre, ou je te jure que toi et ta bande de guignols, vous allez mourir. Impiate! Thank you.
Espèce de Yahoué! Lâchez-le maintenant! Il a une force absolument surhumaine. Il est toujours vivant. Mettez-le avec les autres. Nous continuerons le traitement demain. Ne vous inquiétez pas, mon colonel, il parlera. Emmenez-le. Commandant. Commandant. Désolé, mon commandant. On s'est fait avoir comme des bleus. On doit se faire vieux. On va s'enfuir de cette prison. Le plus vite possible. Hey! Iblan, toi, on est le dieu! Iblan, Ibli! Va te faire voir. Aidez-moi à m'asseoir. Décontracte-toi. Eh ben, ils t'ont drôlement arrangé. Et demain, il recommence. Qui le croire ? J'ai un moyen de quitter cet enfer. Les cachets de Chopin. Ils provoquent un arrêt cardiaque. Mais pour moi seulement. Pour l'instant. Debout. Réveille-toi, debout. Digo, vas-y, allez. Il est mort. Docteur, il s'est suicidé, à votre avis? Éventuelle cause de la mort, soudaine paralysie totale. Il a avalé une certaine quantité de cyanure, à mon avis. Et quelle explication allez-vous fournir à vos supérieurs? Et quelle explication allez-vous fournir aux vôtres, colonel? Je leur dirai que vous êtes une bande de bons à rien. Lequel d'entre vous lui a filé ces pilules?
Citroën ! Pourquoi vous n'avez pas prévenu ? Quand est-il mort ? Ok ! Donne-la ! Thank you.
Con đây anh ngon thiệt á. Vậy hả? Thật mà. Cho tao mượn cái quẹt đi. Được đâu, tí tí lại cho. Cảm ơn. Thank you.
Mais qu'est-ce que t'as, un malaise? Tu devrais pourtant être habitué à la mort depuis le temps. Ordure. Tiens, pays. Tu me répugnes. J'ai un message pour toi. De la part de la femme. J'avais promis que t'allais mourir. Et j'ai l'habitude de tenir mes promesses. Je vais te le prouver. Est-ce que tu es prêt à crever? Pas encore, commandant. Pas un geste. Tu as parlé trop vite.
Delaware à Cherokee, Delaware à Cherokee, me recevez-vous, Cherokee. Delaware à Cherokee, Delaware à Cherokee, me recevez-vous, parlez. Charge, est-ce que c'est prêt? Il y en a partout autour du camp. On peut tout faire sauter. Alors c'est le moment de dire au revoir à ces Charlie de malheur. Je vous rejoins. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais ce que je te demande. Allez, tout le monde au fleuve! Allez, venez! Avancez! Allez, dépêchez-vous, il n'y a pas de temps à perdre! Descendre les éclaireurs
Et continue à avancer, je te couvre. Allez, on y va. En avant. Au bateau, vite. Buffalo. Mon ami. Thank you.
Bien joué. Voilà un hélicoptère, tenez-vous prêts. Et tu sais, je peux plus manœuvrer. Allez, laisse tomber. Reste à couvert. Je vais leur faire prendre un bain. Allez, les gars, on y va. Ça va? Merci de m'avoir sorti là, essayez de les rattraper!
Johnny, notre marché tient toujours si tu préfères rentrer aux États-Unis. Non, plus personne ne m'attend là-bas. Mais malheureusement, je crois que personne ne t'attend ici non plus. Et à tous ces gens. Ces gens sont ma famille, mes amis. Vous direz au revoir à l'Amérique pour moi.